Mais ça nous étonne, c'est que je n'ai pas mon parti à rien. Et que ce monsieur qui a fonctionné à dans pratique à lui. Mais au niveau à l'urbanisme, au niveau à des mondes, le service qu'il a et qui est censé faire vous respecter eh ben, la loi, le code de l'urbanisme, eh bien, il n'y a pas dit rien. Comment comprendre qu'au-delà effectivement de la famille Ishbel, eh ben, c'est à côté son voisin qui est venu aussi bien tout à l'heure, parce qu'elle a construit un galo, eh bien, ni morceau de galo qui vient tomber sur un voisin là. Et comme voisin là, tu veux plus vraiment, eh bien, il décidait de dire couper un galo à l'autre. Et quand ce monsieur fait, eh bien, il prend aussi, il a coupé le galo là, ça veut dire que le galo là est trouvé à la limite. Chose que le code véritablement de l'urbanisme imposé, qu'il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite, il faut respecter les limites là. Alors, est-ce qu'il y a un souk qui peut expliquer nous, si vous êtes dans ça, vous avez vécu depuis un certain nombre de temps, et qu'ils ont fait là pour que vous ne compreniez pas qu'il y a une sortie en ciel là et vous tombez là, et venez expliquer nous le projet et puis qu'il y a un fait là. Bah, ils ont belle sinon même parce que depuis un bel moment, ils ont souffert. Merci beaucoup. Pour commencer, bonjour tout le monde. Et merci David, parce qu'on sait que tout le monde est affaire à faire le samedi matin. Mais en fin de compte, ça sent un combat pour nous tous, hein, nous tous en Guadeloupe, parce que bon, ne serait-ce que sur des, il y a le monde qui a souffert de ça, et dans le silence. Moi, ça a fait un moment en qualité, en partie qualité tout seul, parce que papa, moi, j'ai jamais eu de problème avec ces mouna depuis longtemps. En 2009, t'es ni en propriétaire qui était là, il décide de vendre. Il y a Madoué. Il a fait vine à un hôtel, il dit qu'on s'en vient tout seul. Que c'est pas la peine qu'elle vienne aider madame Aïe parce qu'il n'y a pas maillé, que ça n'a pas ni point d'importance. Là, il arrive à un hôtel, donc il est venu pour expliquer ses mouna, les nouveaux acquéreurs, que t'es là, c'est taille, entrer là, c'est taille, donc il n'y a pas eu en faveur. Il toujours dit nous, il n'a pas signé document. Je dis là, il n'y a pas fait valoir que papa moi signé un document, qu'il n'y a pas eu possibilité de jouir de 4,50 m si on entrait, alors qu'il n'y a 3 mètres de base. Et sachant que sous plan cadastral là, nous avons qu'à entrer là, il n'y a parti à ces terrains privés et à côté, il n'y a une servitude. Donc logiquement, c'est mon assez servitude pour y passer par ces terrains privés. Par la suite, les nouveaux acquéreurs, ils ont mis pour projet de faire film. Enfin, ils ont demandé autorisation de faire film. Donc, ils ont estimé que justement, que toute zone là, c'est à eux. Donc, on joue en ville, mais on peut dire pour passer un petit moment tranquille, et petit moment. Ils ont dit, moi, on pas qu'à rentrer. On pas qu'à rentrer si t'es rien moins parce qu'ils ont qu'à faire un tournage de film. Donc, on est ces films là, ils ont qu'à faire cette idée là. D'accord. Ça rapporte l'argent. Donc, ils ont trappé un dédommagement. Et moi, ils ont dit, moi, faut pas rentrer parce qu'ils veulent les propriétaires du terrain. Là, on arrivait. On peut pas garer. On ne peut pas ouvrir ces cases là parce que film et câble à tournage là capacité c'est tout petit demande à la qu'on est là. Et de ce point, si vous normalement il demande moins si à 14h il va pas faire sieste. Parce qu'il faut y dormir, sachant qu'il carry trop et il va attendre bien qu'il vit à la caméra là en bas, au bord de la piscine là. Ça va faire yon. Ensuite, les nouveaux qui arrivent. Les arrivés, la veille, ils posent un conteneur. Le lendemain matin, M. Lacacouille m'a pris sa présentée et il a dit moi que oui, il posait un conteneur et c'est pour y passer en ménager. Mais on dit, M. Lacacouille, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Logiquement, on a demandé autorisation, on a mettre un conteneur devant casa des locataires. Donc, c'est moi qui a payé un loyer, on doit garer. Et en plus de surcroît, on n'a pas cité rien, on n'a pas demandé autorisation. Donc là, c'est des gens premier abus pour un monde qui sorti rivé la veille. Monsieur là qui a crié moins après pour lui dire moins qu'il disait mettre piscine à plein sud. Parce que voisin de l'autre côté là, quand ils font un prolongement de terrasse, ça qui gâché vue à piscine à pour ces touristes-là. On dit qu'il n'y a pas qu'à vendre. Le lendemain matin, il a cherché des jeunes en quartier là pour lui ça nettoyer le terrain en moins. Soit disant, il partait voir bon là en bas. Autant il est bien visible. Il commençait à brûler trois mahogany en moins, il a cherché jeunes pour lui ça couper mahogany en moins qui ont les terrains là parce que mahogany là qui a gêné, il disait passer, il disait faire piscine à y. Ça a fait deux. Donc, l'un arrivé, forcément, échange là, t'es moins chaud. Donc, comme d'habitude, essayer Amadou et moi, dis-moi oui, effectivement, je comprends, c'est ce que ton père t'a laissé. Mais moi, ça n'a pas marché avec moi, on connaît ça. Toujours dans le système des besoin de tutoyer, au moins, vous voyez, parce que nous pas amis. D'accord? Manier c'est pas la moune, pas manier moins, on dit ça en première fois. D'accord?
Ensuite, problème là qui a continué, nous, les problèmes de bornage pour un petit gaz qui ont proposé au craser. Parce que craser là, ça, on sait que si on n'a pas qu'à craser, on ne peut pas descendre si reste dans la terre là. Madame là, dis-moi, le 7 mai, pendant qu'on a fait le nettoyage, qu'en fait, craser là, c'est taille aussi. Que logiquement, c'est juste moins qu'à douer l'argent parce qu'on a mis locataire à dedans. D'accord? Donc, dis-moi qu'il y a une petite autorisation de craser craser là, ça. D'accord? Parce que Kazak appartient à lui parce qu'il y a un petit centimètre qui s'y. Et ça encore, ça peut avérer. Il criait gendarme dans moi. Donc, gendarme là fait comprendre que madame, là, c'est terrain, il doit nettoyer. Donc, on continue les travaux en moi. Au final, on s'y mène là, il opposait un baillet pour empêcher ça, pas continuer les travaux en moi après, en restant à s'y mène là. Et ensuite, monsieur là, revient vraiment parce que oui, on va dire, hein, depuis on arrive à ce terrain là, ça, on passe à 20, qu'ils y aient ni, en les terrains là. On peut arriver, on peut garer au jardin de l'homme. Donc, il revient encore avec petit témoin pour dire que oui, il posait pas yéaï. Donc, si on disait nettoyer, limite, c'est pour demander l'autorisation pour aller en bas à chaque fois. Donc, là, c'est pour déjà mettre en pied en gauche en main. Bon, ça, c'est ça, il comprend. OK? Hier, il criait moi à plusieurs reprises, on ne pas répondre. Parce qu'on sait que nous jardons en conflit, ça fait que ça ne vit à rien. Ça, ok, dit en téléphone, parole, c'est vent. Il voyait un message pour moi sur WhatsApp. Oui, ça fait moins comprendre qu'elle nous filmait Domenaï, mais il a oublié qu'elle filmait un petit monde qui était aidé nous poser en bas hier le 7 mai, hein, en mineur. OK? Il a fait vidéo, il a fait photo, il a suivi nous aussi tout le terrain là, un terrain qui n'est pas taille. Il a mis des orteils en l'air, on a déjà dit, pas mettre des orteils sur le terrain. Moi. OK? Donc, il criait moi hier, on ne répond pas. Il laissait un message pour moi pour dire moi. Enfin, donc écoutez. Bonjour Esther, est-ce que tu peux me rappeler pour qu'on puisse discuter de ta manifestation de demain matin ou demain après-midi, je ne sais pas, en sachant que nous, nous ne sommes même pas en Guadeloupe, donc tu pourras faire toutes les manifestations que tu veux, ça ne va rien changer. Et j'ai commencé à prévenir mon huissier de justice, je dépose plainte parce que tu as fait une vidéo sur mon domaine. Donc ça, ça va te coûter très cher. Et en plus de ça, je porte une main courante à la gendarmerie dès demain matin. Donc c'est comme tu veux. Si tu veux jouer, on va jouer. Oui. 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 Donc ça fait au final, après le tu veux jouer. On va jouer. Moi, on va jouer avec moi, personnellement. Le temps, j'ai tout seul. Ensuite, au matin, là, là, nous arrivons. Ancien propriétaire de la ville, enfin, on va savoir si j'ai déclaré ancien propriétaire, en tout cas, mais il vient pour nous, pour essayer d'apaiser les choses, à façon à y. Donc, il a essayé de tirer quoi et tirer en situation là, parce qu'il était savant qu'il n'y avait pas de à Kazaï, qu'elle était là, il était qu'à plus ou moins respecter les choses. D'accord? En notre monde arrivé, il dit nous qu'il s'est mis à un nouveau propriétaire là. Il dit, mais comment? Qu'est-ce que vous faites ce matin? C'est un mouvement, comment? On casse tout, on fait quoi? En répondant, monsieur là, que moi, nous pas des sauvages. D'accord? Yeah. Que nous venons pour ça mobiliser nous, pour montrer qu'elle nous a souffert. D'accord? Donc, ça fait casser, on peut aux gens dire qu'on a cassé vite à bon monde parce qu'on partait pour y casser tant moins. D'accord? Moi, on peut respecter t'as les autres, même si on peut pas respecter tant moins. Donc, monsieur là dit que comme il vient pour surveiller famille à propriété là qui part sur le territoire, selon ça il dit. Donc, il veut savoir si je là nous parler pour casser. Voilà. Donc, vous avez une mentalité à ce moment-là. Donc, c'est comme si pour eux, nous c'est des gorilles. Donc, en face, ils mettent un gorille. Et moi, personnellement, disant Miaï, que déjà, on n'y a rien à voir avec le problème là. Donc, on n'a pas de bonne discussion quand on prend. D'accord? Et on a arrêté ça là. Donc, mi mentalité là, que nous c'est bête, que nous pas à faire études, d'accord? Que nous pas qu'à avancer en vie en nous, que nous c'est des arriérés, en pas arriérés. Parce que justement, si on s'est arriéré, projet là, quand on est là, c'est pour les jeunes. Pour les jeunes DE, pour les jeunes Guadeloupe. Parce que moi, c'est formation qu'on a fait. On a essayé de faire monde comme moi, monde qui a passé l'âge en moi, sortir en caca là. Parce qu'en Guadeloupe, depuis qu'il y a un mouvement social, il y a qui fait balage de jeunesse, il y a qui met en place des centres, il y a qui fait des bites, mais rien pas qu'à bouger. Si nous ne pouvons pas nous en mettre, nous ne pouvons pas réussir à rien. D'accord? Donc, la jeunesse,
créer emploi azote, sortir en cacala. DE, c'est le tourisme. Pourquoi DE pas ni rien qui a concerné la formation des jeunes dans le tourisme? C'est qui fait job au black? Pour mon pas avouer que c'est centre là, c'est Mouna qui n'y fait galo ici dans la. Il n'y a pas gagné salarié qui déclarait. Au bout d'un moment, pour arrêter, on va dire qu'un monde n'a pas besoin de faire un job, puis on sortit en vie. Mais il faut que mon aussi ait la possibilité de faire un iPhone crédit. Si vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas de crédit. Il n'y a pas de CDI, mais il y a des avantages de crédit. Mais nous, nous n'avons pas d'avantage à ça. D'accord? Donc, à partir de ce là, moi, on sait qu'on y a un projet pour empêcher ça réaliser. Comment on peut empêcher de réaliser? Ouais.